Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de l'Avent spécial magie. Le concept, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre dans laquelle je vous explique un petit tour de magie, une technique, pour finir à la fin par le tuto expliqué du gimmick Ghost Corner. Bref, tout de suite place à la démo et aux explications. Pour les explications, vous allez avoir besoin de deux jetons de poker, donc un jeton de poker ordinaire, tout à fait classique, et sa réplique avec un trou. Pour ce faire, vous prenez le jeton de poker, une perceuse, et à l'aide d'un adulte, vous allez tout simplement trouer et ensuite limer, poncer pour essayer d'avoir un trou afin de pouvoir faire passer à l'intérieur votre index. Une fois ceci fait, vous allez tout simplement prendre le jeton que vous allez placer ici comme ceci, vous voyez, dans cette position, du bout des doigts, tenir ici le jeton de poker. Positionné correctement, les spectateurs de devant ne verront rien et vous pourrez présenter du coup la main gauche vide avec la main droite repliée, justifiant parce que vous tenez le jeton de poker. Vous transférez le jeton dans la main comme ceci et là, de cette manière, en gérant les angles, de cette manière là, on ne voit pas le jeton qui est tenu dans cette position. Cette position va nous permettre de venir chausser le jeton très facilement. Vous voyez, on peut le mettre et l'enlever tout simplement juste en repliant l'index. Donc vous êtes ici, vous attirez l'attention en fait sur le jeton qui est juste ici. Là vous pouvez montrer avec l'index, là le jeton qui est caché, on ne le voit pas. Et en fait ce qui va se passer c'est que vous allez jeter le jeton en l'air et pendant que vous attirez l'attention en fait, juste avant de le lancer, vous dites regarde bien le jeton, je vais le lancer en l'air et là vous vous préparez, vous mettez l'index dedans, juste ici, vous lancez, le jeton est en l'air et dans les airs vous allez attraper ce jeton et tendre l'index pour donner l'impression de trouer le jeton. Grosso modo, ça donne ceci, on présente le jeton, ok, je chausse, 1, 2, 3, paf, et là, je trouve et j'ai réceptionné le jeton, donc le jeton reste dans la main, comme ceci, on peut montrer qu'il est vraiment troué, on retire, on donne à examiner et celui-ci, on s'en débarrasse dans la poche. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère au moins qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de laisser le gros pouce bleu et un petit commentaire qui fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook, Snapchat et Instagram. Si vous avez des questions à me poser, j'y réponds dessus. Également, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon école de magie 100% gratuite sans aucune inscription. Tutomagie.fr, la seule école de magie gratuite en ligne sur internet dans laquelle vous allez pouvoir apprendre des techniques en cartes ou en pièces pour débuter et vous perfectionner dans la magie. Et sur ce, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.